réfléchis, mais sans laisser te souvenir. Yo yo yo, salut tout le monde. On se retrouve pour un petit live sur du zombie, ça faisait super longtemps. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je sais pas, là ou là, il y a la petite cam maintenant. D'ailleurs, je remercie pour les donations. C'est grâce à vous que j'ai pu l'acheter, donc voilà. Mais la petite cam aujourd'hui. Pour l'occasion, on va retourner sur Black Ops 1. Sur du Ascension. Voilà. Oh, cette blague. Yo, salut Fire. Comment ça va? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de zombie. Je me suis pris une vieille paf de derrière que j'avais pas vu. Enfin, une à la fenêtre plus une derrière.
qu'une soirée karaoké. Toi. Pas d'armes, pas de problème. Ils mettent des terres des loin. Zéro munitions, deux fois plus de l'heure. Alors je sais, y a tout le monde qui passe par l'autre côté, qui ouvre pas la porte à Masto, mais je joue pas comme les autres. Je passe par ici, moi. C'est pas un problème, Masto.
Ah, j'entends pas les zombies derrière. En No Man's Land. Ok, on a pas ce passe. Yo Pig Pain, comment ça va? Pote de Randy. D'accord, Randy. Randy, tu parles de Frikis? Exact, d'accord.
t'es abonné à la chaîne YouTube de ma copine Sunshine17 et on vient de Bordeaux. Ah, des Bordelais aussi. Ah mais attends, Epic Pain, ouais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, ouais, effectivement. Parce qu'elle faisait justement, bon ça fait un moment que je suis pas passé sur sa chaîne, ça date. Elle faisait des vidéos où t'étais dedans aussi. Enfin tu faisais des vidéos avec elle. C'est pour ça que maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que ça me dit quelque chose. Andy a dit genre qu'il viendrait à Bordeaux nous voir, d'accord. Ah je savais pas que vous veniez de Bordeaux aussi, d'accord. Et nous veut dire toi aussi, d'accord. J'ai joué pas mal avec Randy, mais sur League of Legends. Et puis je connais bien, enfin je connais bien. Je suis aussi bien sa copine Alicia. Depuis le zombie aussi, grâce aux zombies. J'ai connu Alicia grâce aux zombies, et puis grâce à Alicia j'ai connu Frikis, après on a joué ensemble sur League of Legends, et puis voilà. On faisait même partie d'une même team. Bon, elle a pas duré la team, mais bon. Je continue de garder contact. Ah, tu joues aussi avec Alicia, d'accord. Bah je savais pas. Mais ça date ça que je me suis abonné à sa chaîne, parce que c'est vrai que c'est il y a plus de 6 mois, c'est sûr. D'accord, ça va. J'allais faire une boîte. Epic avec deux i, d'accord.
munitions. Je me battrai. RPK. Ah, j'aime pas trop la RPK, après je la prends pour faire des points en début de partie, mais c'est vrai que c'est pas trop. Là je suis en mode, je fais des points. Puis après on va aller prendre des Mustangs. Bah 16 000 poids à la manche 11, c'est plutôt pas mal. Pour aller améliorer les Mustangs. Yo, comment ça va Harry? Eh t'as vu, ils m'ont donné envie, hein. Ils m'ont donné envie avec leur ascension. Ouais bien sûr que j'ai ouvert, tu crois que je me suis pris la tête? Bien sûr que c'est ouvert. Eh je suis pas dans leur délire. Moi, je prends les atouts qu'il me faut et... Tranquille. Bah t'as vu, ils m'ont tous donné envie de faire ascension, du coup je l'ai fait, mais bon. Juste pour le fun, tu vois. Juste parce que j'avais envie de la faire.
Là, j'y voyais plus rien. Même moi, je l'ai fait tellement, il y a des streams ici. Ah mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de zombies déjà. Après, à force de regarder les gens jouer, ça m'a donné envie d'en faire. Du coup, j'en ai lancé un. Mais tu vois, en mode de scratch, je l'ai pas tweeté. Genre, en mode camouflé. Un petit live tranquille, j'ai pas envie qu'il y ait trop de gens. No Man's Land. En fait j'ai la RPK, je suis con, je devrais faire des points. Allez prendre ça. J'ai zappé que j'avais l'air RPK. J'allais faire des points en fait. C'est dommage que je joue solo. Ouais, bon après. Comme j'ai lancé en solo. Je suis le seul à parler. Salut Amine. Non, non, il y en a d'autres. Mais bon, vous êtes pas beaucoup déjà, donc. Oh, ils l'ont pris quand même. Oh, c'est pas mal. Tu vois, c'est ça que je comprends pas, Harry. Regarde, tu défends tes atouts, tu les perds, bah tu les rachètes. Ils ont peur de perdre Masto, et puis je sais pas. Bon. Moi, je suis manche qu'à 15, je me prends pas la tête. Dès que quelqu'un dit chaté masto, tu lui dis dessous, non j'ai ouvert. J'ai ouvert bitch. C'est ça. Ah ouais putain, j'ai dit que je faisais des points. Je suis toujours là avec mon... Bon, moi j'achète les atouts qu'il me faut et... Je prends pas la tête avec ça. Ah merci pour le follow Ninever. T'étais même pas abonné. Non je rigole. En même temps je faisais pas de live, c'est pour ça. Même si je passais sur beaucoup de live et je te vois sur beaucoup de live, c'est vrai que moi-même je live pas beaucoup donc. C'est pas grave. Mais il me donne que des charpentiers. T'en veux pas de ton charpentier. C'est ce qui s'appelle un renversement de situation. Ah la réa a plus de la sang. Ouais bah pour l'instant je la prends pas normal mais. Parce que j'ai pas de souffleur, j'ai pas. Moi je prendrais l'aria quand j'aurai souffleur, trou noir, des trucs comme ça mais.
Bah, en fait, ceux qui font ça, c'est qu'ils veulent faire plus de 100, genre les records, les 162 et quelques. Là, je suis d'accord. Mais si tu fais juste une partie fun, ouais, tu la prends. Hein. Parce qu'ils ont peut-être peur de le perdre au singe, mais bon. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais moi, Masto, bah, je te montrerai après, je l'ai ouvert par. Par en bas. Enfin, les deux sont ouverts du coup maintenant, mais j'ai aussi ouvert en bas, c'est ça que je veux dire. Et du coup, bah moi en fait, les singes, il y a 15 spawns. Il y a 15 spawns qui peut arriver par les singes, enfin à l'arrière. C'est au spawn du coup. Et si je me mets là, bah, c'est facile. Hein. Enfin, c'est comme ça que j'avais fait mon 100 il y a longtemps, donc pas changer de strat. Ouais, voilà, pour couvrir l'aria et Masto en même temps. Hein. J'ai ouvert. Vous voulez le. Ouais, t'as vu, j'ai retweeté tout. Moi, la manche 20. T'aurais dit. Eh, franchement, ils ont l'air plus violents que les zombies, les poulets. Ils courent, t'as vu comment ils courent, les poulets? Genre, il y en a même un, il se fait attraper. Il y a deux gamins. Il y a un des gamins, il s'est fait attraper par les poules. Les poules ou les poulets, je sais pas. Ou les coqs, qu'est-ce que tu veux. On se connaît, non, je crois pas. Ah, vous connaissez, c'est obligé. Des squatteurs de live zombies. Obligé, vous connaissez. Ah, une bombe. Je ne prends pas. J'essaie de pas la prendre, ouais. RPK, on va aller faire des boîtes. 31 000 points, pas mal. Hein. C'est quoi? C'est un x2? C'est une crâne. Où le dernier? Ah, c'est un rapport. Je l'avais même pas vu. Ah, vous êtes ensemble sur TS, d'accord. Ah, je suis pas sur TS, moi là. Mais... Après, je peux y aller. Hein. Regarde, dans les hautes manches, enfin, dans les manches d'après, quand je devrais couvrir juste Réa et Masto. En fait, je commence à l'arrière. Il y a 15 spawns à l'arrière. Donc, je commencerai à. Hop. Faire des boîtes après parce que une fois que lui il est tué, bah c'est bon, vous avez juste à couvrir ici et vous couvrez à la fois la réanimation et à la fois mastodonte. Donc allez. Un petit souci de X, c'est la manette je crois. Et à force de mettre des cure-dents dedans. Ah,
Et voilà le boulot. Tranquille. Mes ancêtres me donnent leur force. Pas besoin de... de setup. Bon, mon setup c'est... c'est RPK jusqu'à la mansan. C'est mon setup à moi. On va faire un tap plutôt, ça va gaspiller moins de balles, enfin faire plus de points. Voilà, je traque à tout le monde. On est en mode monnaie et des points. Comme ça après une fois que je voudrais mon setup, voilà, je vais saigner la boîte. Hein. Espérant que je les évite. Noir, super. C'est top de riche, c'est ça. Plus la boîte, justement la boîte c'est bien parce qu'elle a pas bougé. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai plus de munitions max. C'est comme la boîte elle a pas bougé, mais j'ai pas les caisses à 10. Mais... oh quoi que je mange 19, j'ai pas de problème de mine. Ah. On va arrêter de tirer, on va recharger. Un petit fois deux, ça fait encore plus plaisir, vraiment le setup de riche. Et en plus, oh là là. Voilà, vas-y, hop. Oh putain. Que demande le peuple. Oh là là, 46 000 points. Oh putain, merci Harry, merci à toi. Ça fait plaisir d'aller montrer jeune. C'est quoi, c'est... T'inquiète. Non mais c'est bien qu'il y ait des jeunes, des nouveaux sur BO2, BO3 parce que... Dim c'est 30 ans, Bello 30 ans, moi 26 ans. On commence à se faire vieux. Le premier zombie il est sorti en 2010, donc ça va faire 5 ans. C'est cool qu'il y ait des nouvelles têtes. Mais je suis sûr qu'on va avoir des nouvelles têtes sur... Oups. Regardez le chat. Je suis sûr qu'on va avoir des nouvelles têtes sur Black Ops 3. Enfin, quand je dis des nouvelles têtes, c'est vraiment des pseudos qu'on a encore jamais vus. C'est sûr. Regardez, sur BO2, on a commencé à avoir des nouvelles personnes. Et puis là, BO3, on va encore en voir d'autres. Hein. Des papis. Bah, c'est pour ça que Bello, c'est le papa des zombies, comme on dit. 30 ans. Oh, il doit y avoir des gens plus vieux qui jouent aux zombies. Mais... Dim C Bello, 30 ans déjà, c'est pas mal. Hein. Ça commence. Moi, il dans 4 ans, c'est la même. Hein. Ah, non, c'est un marteau. Donc voilà, faut penser à la relève. A chaque fois je dis bon, je vis de ma RPK, je vis de ma RPK, je tombe sur des munitions donc. Après, je vous le dis, hein, je pense speedrun, mais alors pas en speedrun du tout. Parce que là, je prends vraiment mon temps. Hein. En même temps, RPK.
C'est juste pour faire des points. Hein. Vous êtes Penny Never, grosse blague. Ah bah va peut-être y avoir des nouveaux AZP, qui sait. Vu que, comme j'ai dit, il va y avoir de nouvelles têtes. Donc peut-être des nouvelles têtes AZP, hein. Merde, j'aurais dû aller faire des boîtes. Bon, on fait un rang pour la promis. AZP Never, c'est mieux. AZP, bah never. Never, je sais pas si c'est ce que c'est en anglais, ça veut dire jamais. Je crois que c'est un peu plus rapide ici qu'en haut, donc. Après, on va voir si ça fait encore mal. Faut au moins 2 balles. On va faire normal pas. C'est ce qui s'appelle un renversement de situation. En tout cas, ça pack plus vite ici que en haut. Ça c'est sûr. Nettoyer, on va le prendre. Une manche 21. Je crois que c'est à partir de la manche 32, 40, 32, 35, je crois que ça. Faut faire gaffe quand c'est qu'on la prend. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à BO1 que je sais même plus quand c'est que ça tue plus. Oh, dis pas que. Ah non, c'est. Ah! Et merde! Moi qui voulais en laisser un. Vous êtes trop fort pour la ZF, ça doit être ça. Putain, en plus je vais tomber. Je vais avoir des munitions. Je vais devoir encore vider ma RPK. Des fois il y en a deux là, non c'est bon. En tout cas, merci encore Harry pour les 5€. Vu que t'as vu, objectif don, c'est pour Destiny. 40€, ça fait quand même cher pour ça. Donc, voilà. Merci en tout cas. Ah, je t'avais pas vu toi. Putain, mais increvable les bordels. Moi c'était mon rêve dit hier soir. T'inquiète, hein, merci quand même. Hein, bah d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai la cam aujourd'hui. Et justement, je remercie. Bon, si on regarde la rediffusion, bon, je suis pas sûr, mais. Je remercie Ruby. Je sais. Ruby qui m'a fait un don de 20€ quoi, pour la cam. Donc. Grâce à lui, j'ai pu l'acheter plus tôt que prévu, parce qu'à la base j'étais prévu que j'achète la cam pour Black Ops 3. Et puis j'ai reçu son don avant, du coup j'ai eu la cam avant, donc merci encore. Bon ben du coup, va falloir vider la RPK. Ah, j'avais pas vu. 62 000 points. Ça va être vraiment un setup de rue. Et si j'ai pas le souffleur, si j'ai pas les trous noirs avec 62 000 points, enfin, je vais même faire plus que 62 000 là du coup. Eh ben je restart. Je vais faire comme tout le monde. Je restart. Comme ton orthographe. Il se réalisera pas. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, on est en train de faire un site AZP un peu comme le premier. Ouh, un petit x2.
Donc on est en train de bosser dessus, ça va être comme une sorte de plateforme de streaming où quand vous vous connecterez dessus, bah, vous pourrez voir. Par contre, il n'y aura pas toutes les chaînes, il n'y aura que les chaînes des AZP, voilà, via Twitch. Et on fera aussi une chaîne AZP TV. Sur cette chaîne, bah, y a d'autres gens qui pourront aller streamer autre qu'à la AZP. Bon, toujours des gens en rapport avec le monde, bien sûr. Après, il faut que je voie comment faire encore pour justement essayer. Il faudra faire attention à pas donner non plus le code du coup à tout le monde pour pas qu'il y ait n'importe qui stream dessus. Ah, il t'a montré, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est Yubo et c'est Fouedi qui s'en occupe, donc c'est vraiment sympa. J'ai hâte que ça soit fini, que ça sorte. Bon, après ça changera rien de on Twitch toujours via Twitch TV, hein, mais on Twitch, on live toujours via Twitch TV. Ça sera juste que les lecteurs seront redirigés sur le site avec un petit. Genre en rouge c'est ceux qui sont offline, en vert ceux en line, franchement en ligne. Franchement c'est vraiment sympa. Bah allez, je vais perdre des balles mais c'est pas grave. On va aller faire des boîtes. Ah qu'est-ce que tu dis? Ma c'est t'inquiète, je corrige. Allez, 78 boules. Alors j'espère que on va avoir tout ça rapidement. Le boom soit loué. Les morts tomberont à mes pieds. Tu penses qu'on peut rentrer à ZP? Franchement. Ouh, trou noir déjà. Franchement, comme j'ai dit pour BO3, moi à la base je comptais. Enfin, moi, on est plusieurs à avoir pensé à déjà recruter. Donc, déjà faut attendre que BO3 sorte. Oh, un pistolet laser, mais je m'en fous un petit peu du laser. Je préfère un souffle. Quoique, hein, je peux faire des manches de laser. Très intéressant. Ah ouais, les mages, ouais, c'est pas. Pourtant, tu connais, c'est partout pareil les mages. Ah ouais, c'est ce que je disais. Bah allez, on part pour le souffleur. On s'en fout des points. Oh bah tiens. J'aurais peut-être dû. Du coup t'as écrit quoi en match parce que j'ai pas lu après. Si c'est un truc important. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas encore comment ça va se tourner l'avenir de la ZP. Quand je dis ça, c'est le recrutement, comment on va le faire. Parce que ceux qui nous connaissent depuis le début, vous savez qu'à la base, la ZP avant, c'était plus une team sur les affinités et tout ça, plus que sur le level. Ouais. Donc ouais, c'était plus sur les affinités que sur le level. Du coup là, vu qu'on avait arrêté, il y a certains qui voulaient qu'on recrute plus pour le niveau zombie. Donc je sais pas. À voir. La distance fait s'accroître, mon honneur. Eh ben décidément, il le veut. Il veut que je prenne le laser. Et voilà. Je serai jamais assez fait. Ah si, c'est par rapport au level, tu seras jamais assez fait. Bon, après il faut un petit peu des deux aussi, comme je disais, même le mec le plus fort au monde, s'il s'entend pas, voilà, faut un minimum de d'affinité quand même.
Oh. J'étais trop gourmand. C'est pas grave. J'ai même pas soufflé. Misty, voilà, l'ancienne joue la poupe. Misty, c'était pas du tout des joueurs de zombies. Bah, Epic, tu disais si je voulais jouer à plusieurs. S'il y a des gens qui veulent jouer. Je suis sur Xbox, par contre. Donc, même vous, hein, si vous voulez jouer, j'arrive sur, sur TES. Donc, s'il y a des gens qui veulent jouer. Mais je crois que t'as la PS3, toi, il me semble. Hein. Donc, c'est mort. Alors, qui c'est qui a connecté? Moi. Vas-y, hein, ajoute. C'est sur Xbox, c'est Monsieur Elniris MR. Je crois qu'il y a un espace. Attends, c'est où mon pseudo que je peux le voir? Ouais, MR espace Elniris. Y'a personne, ils sont tous sur Xbox One. Y'a Ifrit Zombie sur Black Ops 2. Vas-y, vas-y, ajoute. Par contre, j'ai que Black Ops 1. Hein. C'est Nindou. Vas-y, je te. Alors, attends. Faut que je me rapproche. C'est un I ou un L? Que s'est-il passé à Cuba? C'est un I ou un L? Ah, tu me rajoutes, ok. Parce que je savais pas si c'était un. Un I ou un L majuscule. Enfin, un I majuscule ou un L. Castro a été impliqué. Bah attends, si tu me rajoutes. Bah vas-y, attends, hop. Vu que je suis déjà dessus. N'importe quoi, quelque chose. Fais un effort. Ah bah. Ça se passe quoi quand, quand on envoie tous les deux une invite? Merde, ça frise ma console du coup. Non? Tu l'as tué, mais ça, c'est toi. Personne d'autre, toi seul. Ah. Ça a fait bugger. D'ailleurs, vous restez sur Xbox ou passez PS4 du coup, parce qu'il y a pas mal de gens qui passent PS4 à cause des exclusivités. Bah attendez, j'arrive sur TES. J'arrive sur TES. TES, TES, TES. Oh là là. Oh là, il y a du monde sur TES. Yo. 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 Voilà, attends. J'entends pas. Ça va quoi? Tranquille, tranquille. Comme tu veux, Mason. C'est comme tu veux. Alors par contre, du coup, faut que je baisse le son du jeu parce que je vais avoir un écho. Hop. Ah là là. Oh, du coup, ouais, je vous disais, vous passez PS4 ou vous restez sur Xbox sur BO3? Les deux? Ah ouais. Ah, Until Dawn, je l'ai retourné, il est trop bien ce jeu. Au début, je voulais l'acheter avant, tu vois, pour avoir le temps de mais... l'avoir, mais je l'ai acheté en même temps que le jeu. Le problème de Until Dawn, c'est que 60 euros pour. Ouais, mais il est vraiment bien, mais si tu comptes pas le prix, il est vraiment bien. Après, c'est vrai que ça fait cher quand même. 5€ sur PSN. Ah ouais. Bah, qui sait, vu que je suis en live, quelqu'un prend la co. Après on fait n'importe quoi, on fait ce que vous voulez. Hein.
Je la prends. Je suis des warriors, mais bon, je te rappelle. Ouais, on va se prendre des baffes de 5 ans. Moi, je vais me prendre des baffes de 1. Tout à l'heure, on a fait un Dead Rise. Et tu sais, genre. Garanti, il arrivait pas à jouer parce que les zombies étaient trop hardcore, tu sais. Sur Mako. Ouais, sur Mako, ça a rien à voir. Là, il a beaucoup serpé, hein. Hop. Alors, ami. Putain, pourquoi tout le monde est en ligne? On pourrait les faire. Oh, t'as bien fait de pas prendre la tête à ouvrir la porte en sachant. Bah, franchement, t'as vu. Bon, après, moi, j'ai fait le con en haut là, mais. Tu vois les singes? J'avais aucune ouais. difficulté. Et puis même si je perds un atout, tu le rachètes derrière, ouais, quoi. C'est ça. Ouais, tu t'en fous. Après, le truc peut-être qu'ils ont peur, c'est de perdre, de devoir défendre à la fois Rhea et à la fois Masto. Mais avec la strat que moi je fais, parce que tu t'attends que le premier Rhea spawn, du coup tu le tues avec les deux coups de souffleur. Après, tu montes en haut des escaliers de Masto et il n'y a personne qui arrivera derrière Rhea. Enfin, moi j'ai fait mes 100 comme ça, je m'étais suicidé et quand j'ai fait 100, c'était quoi? C'était en 2011 ou 2012, donc c'est remonté à je sais pas combien de temps. C'était quand tout le monde ouvrait la porte et que tout le monde s'en foutait. Après, j'avoue que c'est peut-être plus facile à défendre, mais ce que j'aime pas du coup dans ce strat, c'est que tu ouvres pas la même porte que moi. Moi je préfère ouvrir cette porte parce que quand tu fais la strat des pièges où tu tires la MP5, tu sais, quand tu vas au piège de la KU, du coup la porte d'en haut elle est fermée. Moi je trouve ça mieux. Bon. Enfin, après, je sais pas, mais au niveau du spawn, je trouve ça plus rapide. Comme vous voulez, par son quoi, parce que la 3 ou un challenge Thompson ou sur un Verruckt ou sur ou sur Dead Rise. Ouais, j'allais dire Dead Rise, un petit truc sur Dead Rise. Vas-y, vas-y, Dead Rise. Thompson, ouais. Tu restes dans la salle de la Thompson. C'est facile. Yo Daisy, comment ça va? Oh putain. Ah, tu sais, maintenant si tu ouvres la porte du Masto, t'es mauvais, hein, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est toujours mieux de le châter, mais ouvrir, c'est un changement. Oui, après, ouais, c'est clair que c'est mieux de le châter, mais. Ah, si tu châtes, au moins, t'as pas... Mais comme je disais aussi. Tu sais, t'arrives à la manche, tu meurs, mais tu fais quoi? Oh, tu restartes? tu restartes à la manche parce que t'as envie de faire 162 mais que t'as pas envie d'ouvrir la porte? J'arrive. T'imagines? N'importe quoi. Une manche des instats, t'sais. Ah merde, je suis à 162, je suis mort, je restart, quoi. C'est trop cher, une planche. Non, je suis le blanc. Non, mais tu sais. Je lui ai demandé, c'était John Cena justement qui disait « Ouais, mais non, c'est plus facile. » J'ai dit mais pourquoi ?» Il dit « Mais tu vas te faire avoir. » J'ai dit « Mais comment ça ?» Mais je me suis fait tuer une fois en traversant le piège à la manche 58. Le singe, il avait pris mon masto. Ah ben, en même temps, si tu te fais pendre ton masto et que tu traverses un singe, c'est pas ma faute. Hein. Parce que tu sais, quand tu perds tes atouts, tu le perds pas en une seconde. T'as le temps de le voir, quoi. Et le mec, il a... Voilà. Ouais, le PhD, ouais. Oui, le PhD tu le perds vite, j'avoue. Mais Masto et les autres atouts, tu le. Ouais. Donc franchement. Et puis honnêtement, flopper de votre manche, tu t'en fous, tu joues même plus au Mustang à la manche 100, quoi. Tu joues au RP, MP5 et souffleur, quoi. C'est une mode. C'est une mode. Non, mais vraiment. C'est qui a lancé ça? Après, l'idée elle est bien. Franchement. Tu te dis, ouais, t'as pas masto à défendre. T'as pas masto à défendre pendant un nombre de manches. Après, tu sais, d'habitude, c'est les mecs chauds, tu vois, qui font du coup, genre, chat masto, et ils meurent pas pendant 200 manches, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu fais ça alors que tu meurs à la manche 50, 60, ça te sert à rien. Au final, t'as recommencé 40 fois pour faire 50 manches. Au niveau du setup, t'as perdu du temps, tu sais. Vas-y. Des fois, tu vois, j'ai vu vers la porte, hein. Qui était sur le live de John Cena et j'étais sur le test de John Cena, tu ouais. vois, je disais quand j'avais dit ouais, je vais vers la porte du Masto pour que ça aille plus vite, vu que j'avais eu un bon setup, j'avais chaté guerre chez
et Thunder, tu vois, je me suis dit je vais pas me casser les couilles, je vais ouvrir Masto, tu vois. Et là je vois TikTok commence à dire c'est qui le noob qui a ouvert la porte du Masto, je fais quoi? Qui c'est qui a dit ça? Même, oh, même TikTok il est dans cette manie là de faire ça. Oh, ouais. C'est qui a lancé ce mode? C'est des ricains encore, hein. C'est comme les Omenidon. Avant, je me rappelle à l'époque de BO1, tu jouais, tu mourrais 40 000 fois, tu t'en bats tes couilles. Les ricains, ils ont dit Omenidon. Allez, c'est parti la mode des Omenidon. Ah, oh, je crois que c'est Gamer Omni qui a fait le truc pour l'ascension. C'est encore un ricain, hein. Eux, ils te sortent des strats à chaque fois. Ah merde. C'est très de Warrior que je t'ai fait. Vas-y, on peut y aller là, comme ça. Quel homme. Ouvre tout, quoi. Moi, je reste là. Ah, mais en vrai, tu sais. T'es le blanc, hein, donc. Moi, je reste dans le four. Je suis au fourneau, moi. Et Harry, tu veux. Ouais, je vais ici, tu sais. Pas de. Ah mais en vrai, les gens ils sont dans un délire où voilà. il faut suivre le mouvement sinon t'es pas dans. C'est comme les ouais c'est comme la mode au niveau vestimentaire genre hein. Si tu t'habilles pas comme les autres hein. Genre si t'as pas un smartphone si t'as pas un iPhone je veux dire. Si que tu l'as pas non mais allô attends. Non mais allô quoi. Non mais anyway. Je peux pas dire, je voulais. Ah, vraiment, t'sais. Bah, moi j'ai l'iPhone 5C, tu sais. J'ai acheté dès qu'il est sorti, t'sais. C'était une bombe l'iPhone 5, l'iPhone 5S, pardon. Non, par contre, moi j'ai pas iPhone, je préfère. Parce que je préfère les Android. Du coup, le système d'exploitation, je préfère les Android que Apple. Que l'iPhone. Tu sais, y a des inconvénients comme des. Après, avant j'avais un Windows Phone, par contre là c'est de la. je déteste. Ah les Windows Phone c'est trop nul. T'as aucune application quasiment dessus. Et t'as les applications de milieu de Windows. Ouais ouais c'est ça. Les jeux Xbox tu vois, les petits jeux arcade Xbox. En vrai. Non mais pour dire que maintenant si t'as pas des Nike Rush One, t'es pas la mode quoi. Ouais c'est Bello, c'est Nike, ils sont bien. De quoi? Blanche et noire, c'est stylé. Ah! Je sais pas. Ah oui, bah, je l'ai vu sur la vidéo de quand tu enfermes Johan. Ouais. On envoie des grenades là, on envoie des kiwis là. C'est pas cool là. Hein. Non! T'as ramassé une grenade ou quoi? Oh gosse! C'est pas comme ça, Nino. C'est ta faute ça, encore. Je vais rentrer à ZP hein. Eh bien. Eh je vais mourir. Ouais t'as trois chiens au cul gros. Ouais j'ai mis. J'en ai bouclé. Ah non il est parti. Vas-y viens me sauver. Fais gaffe t'as un chien. T'as un chien. Eh ben il m'a. Vas-y je me casse de. Ah bon. Je sais pas en vrai les gens maintenant il faut une certaine manière de jouer pour être. En danse quoi. Dommage, enfin moi je trouve ça dommage. A l'époque t'avais une bonne ambiance entre les joueurs zombies, maintenant tu sais c'est de la compétition quoi. Ouais c'est trop la compétition maintenant. Ouais, c'est dommage, je trouve ça. C'est pour ça que y a pas beaucoup de teams au final, parce que tu fais les records à 1 ou à 2, du coup bah team ça fait beaucoup. Et genre une team faudrait qu'il y ait pas de compétition entre nous entre guillemets mais. Même y a de la compétition entre les joueurs de team. Ouais, ouais. Tu sais, la 6, tu vois, ils s'entendent bien entre eux. Ils jouent beaucoup entre eux, par contre, la 6. Ouais. Genre. La ZP, c'est pas pareil. La 6, c'est. Bah, en fait, le délire de. En fait, AZP, genre, on dirait, genre, ils jouent séparément, tu sais. Encore, tu vois, toi, le Neri, soit. Enfin. Bah, moi, je joue avec personne, hein, je te le dis. Hein. Plus dans le délire. Non, ils jouent avec Delo. Non, je suis plus avec. Moi, je suis beaucoup plus solo. Vu que, bah, après, j'ai fait une grosse période League of Legends où, voilà, je suis parti tout seul. Et après, là, tu viens de reprendre. En fait. Dis-toi, la personne avec qui je joue le plus en zombie, ouais, c'est Bello. Donc, il est même plus AZP. Ouais, ouais. Parce qu'on fait du custom, bah, on fait de l'exo-zombie un peu, là, quand même. Voilà. Ah, mais c'est dommage que
que Bello, enfin tu vois, Bello il passe de temps en temps sur le test, je le vois tu vois sur le test de temps en temps. Ouais, il est souvent. Ouais, vu quand il fait du custom avec Gims. C'est bien, tu vois, mais genre, je sais pas, on dirait, enfin les autres ils avaient oublié que Bello, quoi. Dommage. Mais après, tu vois, genre, enfin Gims, tu vois, il joue aussi beaucoup dans son coin, il devrait faire plus de pop. Enfin, après, tu vois, Folaco et tout. Lui, vu qu'il a... Bon, après, Gims, il est H24 en live, et il fait beaucoup ouais, de solo aussi. Après, du coup, tu vois, il fait ce que ses viewers demandent aussi. Ouais, ouais. Après, là, Zef, hein, Zek et tout, enfin. Ouais, ils sont vachement sur CS là, j'ai vu. Bah oui, de toute façon, là, c'est ce que je disais. C'est Karim qui me disait, ouais, on me voit plus trop. Je dis, bah j'attends BO3 là, parce que j'ai plus Black Ops 2. La PS3 on me l'a prêté pour Black Ops 1 justement pour que je rejoue un petit peu. Là, bon, j'ai toujours Black Ops 1 sur Xbox. Mais pendant un moment, j'avais plus d'abonnement Xbox Live. Ouais, du coup, voilà. Hein. Non, ça va bien et tu payes, enfin tu payes pas le live en un. Ah bon? Ouais, deux jours. Enfin, pas deux jours, c'est. Non, moi j'ai un mec qui l'a fait ça et ça marche genre pendant toute une année. Ah non, mais moi c'est deux jours, tu sais, c'est deux jours par deux jours. Ah, je savais pas. C'est un mec qui m'a dit ça, tu sais, j'ai choqué, tu sais. Y'a pas le live, hein. Tu... Enfin, voilà quoi. Je savais pas, je savais pas. Si genre, vous êtes sur Twitter, genre, Enery, genre. Il était fait avec la ICLDR. Ah ouais, tu sais, en fait, tu sais, bah justement, quand je t'ai dit, on m'a prêté une PS3, du coup, j'avais récupéré la PS3. Et du coup, j'avais récupéré mon tout premier compte de PS3. Parce que. En fait, quand j'ai acheté la PS4, bah, à la base, j'étais PS3. Après, je suis parti Xbox 360, plus Xbox One, et je suis retourné sur PS4. Impossible de me rappeler mon compte de PS3. Du coup, bah, mon compte PS4, ouais, c'est un nouveau. C'est Monsieur Alnery. Et du coup. Ouais, non, c'est Elneris 30 tiré du bas 33. Un truc vraiment dégueulasse parce que justement, j'avais essayé de créer plein de comptes, ça voulait pas parce qu'il y avait trop de trucs. Et du coup, bah, j'ai récupéré la PS3, j'ai récupéré mon premier compte. Et du coup, bah, sur mon compte PS4, j'ai voulu rajouter mon compte PS3. Du coup, j'ai tapé Elneris dans recherche et j'ai vu tout ça. Il y avait même un ASG Elneris, c'était bah, à l'époque où Dims il était ASG quoi. Bah parce que c'est là que j'ai commencé à côtoyer bah, Dims, T-Bag et Lady Girl. C'est quand ils étaient tous les trois dans la ASG. J'ai revu à l'époque votre vidéo IRL avec... Ouais. Avec, Bah j'ai jamais vu Dims en IRL. Lui, non. J'ai vu Bello, King, Jolapook, Misty, Foris. Ouais, Kingweed. Nightmare j'ai vu Divinity. J'ai dit Misty aussi, Joanna. Ouais, toute la tribu quoi. J'ai eu la copine aussi à King qui était avec lui. Ah ouais. En plus, on a le même. Ouais, ouais, bah il est venu, ils sont venus à deux, tu sais, en couple. Donc King, ouais, tu sais. Ah, oui. Il s'appelait François. Ouais. François ? Il s'appelait François. Ah. Je savais qu'il s'appelait François en fait. Bah, tu connais les prénoms de qui là ? Les vrais prénoms ? Bah, Jim, c'est Dimitri, t'as François. T'as ouais, Dimitri. Zek, je sais pas, Zubi non plus. Jolapook. C'était ouais, Jonathan. Facile. C'était Jonathan, après t'avais qui en plus t'avais. Genre Bello, Joanna, tu sais. On me l'avait dit, mais j'ai un peu petit peu. Ah. Elneris, c'est plus facile. Ouais, bah. Mais tu sais, les gens ils savent pas parce que tu sais, ça fait quand même. Ça fait... C'est, ouais, c'est rare. Enfin, ça existe. C'est même pas rare, c'est inexistant. Je suis le seul. Garbage. Enfin, le jour où vous rencontrez un autre Elneris, vous m'appelez. Hein. Je veux le voir. Ouais, ouais. Ah, tu savais pas? Putain, je viens d'acheter des mines. Ouais, ouais. Tu vois, c'est vachement rare. Donc, du coup, ça me fait un bon pseudo, tu vois, et les gens ils disent ah, d'où vient l'idée de ce pseudo et tout, c'est original et tout. Bah, c'est mon prénom. Ouais, moi je trouve ça original. C'est que ça fait plus GT que le prénom après. Ouais, ouais, en plus c'est vrai. À côté, ouais. Mais tu sais, c'est à partir des jeux vidéo que j'ai commencé à bien le supporter, on va dire, mon prénom. Parce qu'à la base, tu sais, les gens ils disaient surtout Itineris ou
voilà, des conneries comme ça. Ouais, voilà, attends, et du coup, maintenant... Et du... Attends, j'ai monté le son sur TS. Ah, débarre, moi j'entends un mec qui dit ça, mais il tape des barres comme François Hollande, attends. Mais... Bon, hein. Cette vanne, c'est bon quoi, les gars. Non, mais tu vois, ça me fait rire, je le prends bien. Moi. Merde, putain, j'étais pas là. Ah oui, hein. C'est gentil tout ça, dis donc. On a le droit de prendre 3. Ah bah non, merde. Hein. Mais tu le prends comment? Bah, tu peux ouais, toujours essayer, vas-y. Hein. Essayer de le prendre sur le point. Non. La sœur dosée, lui. Ouais, je suis obligé de tourner, mettre des triples baffes avec ta co. Ah, je suis genre, moi j'ai une co de Warri. Oh. Oh, ça va, hein, je suis en live et. Bon, j'ai 3 barres sur le jeu, mais. Ah ouais, tu stack. 3 bonnes barres. 3 barres. Bah ouais, je monte jamais à 4. C'est bon quand tu veux. Hein. Merci. Ah franchement. Cool hein. Aïe, oh, je vais me suicider. Putain, par contre je suis dégoûté parce que j'avais précommandé la version avec le frigo. Ah ouais. Et je l'ai annulé parce que j'avais pas assez de thunes au final genre. Enfin, j'ai les thunes mais ça me mettrait mal. Donc j'ai pas. 200. 200. Ah ouais. Je pourrais mais ça. Ouais. En fait si je prends la version avec le frigo. Eh ben, derrière, faut que j'annule mon abonnement internet, mon truc comme ça. Enfin, tu sais, c'était trop chaud. Du coup, c'est pour ça, là, je suis content qu'il y ait un mec qui m'a. Un abonné, il m'a filé des thunes pour la cam. Ouais. Et. Ouais. Parce que avant, quand je faisais des lives, je mettais jamais les dons parce que bah, je travaillais à McDo avant. T'étais bien à McDo. Et j'avais. Voilà, ouais, j'avais pas de problème de thunes, j'avais un mi-temps, du coup, ça me laissait gaver de temps pour. Enfin, beaucoup de temps pour. Ah merde, c'est vrai qu'on a pas Mosto. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais plus s'il travaille chez McDo. Non, j'ai arrêté. Et du coup, bah, les thunes, voilà, ça rentre plus. Ouais. Vas-y, il y a une mort instantanée. Putain, j'avais complètement zappé quand on était sur sans masto. Toujours, pas attention, ah, j'étais en train de fermer les barreaux, tu sais, comme en mode. Avec le cure-dent. J'ai pris une double tarte. Ça marquera le B direct. En vrai. Mais là, vu qu'il y a Black Ops 3, c'est chiant parce que j'ai envie de retrouver du taf pour forcément avoir des thunes. Mais j'ai pas envie de trouver du taf pour avoir du temps libre pour le squatter le autre, tu vois. Tu vas pas, tu sais, tu vas pas, tu vas avoir du temps. Tu peux pas. Temps, mais pas, tu vois, le temps que tu veux. Mais tu peux pas faire des runs de 30 heures. Enfin, même en mettant pause, tu vois, tu peux faire des runs solo. Tu rentres du taf, tu joues. Mais des runs coop, tu peux pas. Tu vois, tu vas pouvoir squatter la map plus de 3 heures, tu vois. Après, c'est vrai que tu vas soit mettre pause, soit quitter. C'est clair. La pause en cop, c'est dur. Ah, en cop, ouais. Yo, salut Morphine, comment ça va? Ça marche pas. Ouais, ça marche un peu moins. Ils devraient le faire, ça, comme sur FIFA, tu sais, où tu mets tous les deux pauses. Mais tu sais qu'à l'époque de. C'était quoi? C'était Mob of the Dead. Quand elle est sortie, bah, je bossais encore, et quand j'ai fait mon 100. Mon plus de 100 sur Mob of the Dead, bah, moi déjà, je l'avais fait sans le tomahawk bleu et sans la cuillère dorée, parce que on savait pas. Et je rentrais du taf, je jouais, je partais au lit, je partais dormir, je partais bosser, je rentrais du taf. Et mon 106, je l'ai fait genre en 5 jours. Ah ouais. En jouant 3-4 heures par jour. En fait, t'es obligé, en solo, en mettant pause. Ouais, voilà, quoi, tu t'es mis bien. Bah ouais, c'était chiant à la base. Et je te jure que du coup, quand t'es au boulot, t'étais pas concentré, c'était là, déconnexion, freeze, ou t'sais. T'es au boulot et tu penses à ta partie de zombie quoi qui repose depuis 5 jours. Merde, j'ai loupé ma journée. Ouais, parce que maintenant les saucisses tu les fais en journée. Quoi. Ouais, bah ouais. Bah, tomahawk, tu tues des zombies. Bon. J'avais juste le tomahawk rouge moi. Bah, clairement, maintenant. Gaffe, Onéris. Bof, elle devient de plus en plus. Facile. Ouais, voilà. Ah, bah, elle était facile de base, hein. Je m'étais même suicidé parce que voilà, 5 jours de jeu entre bosser, jouer, bosser, j'arrêtais. Hein.
Oh. Ouais. Et puis je me suis surtout arrêté parce que j'étais premier au moment où je me suis arrêté. Ah ouais. C'est juste ce que je voulais. C'était Isolator le premier, il avait fait 105. Du coup, moi j'avais fait 106 derrière. Oui, et après, il y a eu Champ qui a fait 150. Ouais, Bello, ouais. Ouais, Bello, il a fait 120, je crois. Bello, il a fait qu'après. Il a fait ouais. après moi. Ouais, mais il avait pas le Tomahawk bleu. Ouais, ouais. Il avait pas non plus le Tomahawk bleu. Bah, Champ, quand il a fait 150, il avait pas le ouais, Tomahawk ouais. bleu non plus. Hein. Lui, il a mis 2 semaines, hein, je crois. En fait, on a lancé quasiment en même temps avec Champ, mais moi je m'étais arrêté à 106 ouais. du coup. Et j'étais premier parce que bah, lui il a continué. Parce que lui aussi, il était comme moi. Bah, il travaillait pas, mais il avait des cours, ouais. je me rappelle, je crois. Il était à l'université, un truc comme ça. Ouais, ouais, je vois, je vois. Mais Champ, s'il a arrêté de jouer, il était hyper bon. Là. Ouais, bah tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, on l'a pas connu de BO1, c'était une nouvelle tête. Et c'est ce que je lui ai dit pour BO3, on va voir des nouvelles têtes. Ouais, hein. Parce que lui, il a Champ, il a arrivé qu'à BO2. Ouais, ouais. Il est bon, hein. Et ouais, il était vachement bon. Hein. Il s'est fait découvrir à là-dessus. Hein. À un nouveau Dims qui va bientôt venir sur BO3. Tu penses pense, ouais. Un Dims dans quel sens? Je pense que Dims là. Il y a moyen avec Brave. La cartonne. Avec Brave, je pense qu'il y a moyen, on va taper des trucs. Je pense qu'il va sécher les cours tellement c'est un malade du zombie. Ouais, non, déjà, mais je pense que Dims, parce que tu vois Dims là, enfin tu vois genre il arrive pas à lancer de run en ce moment, tu vois. Ouais, mais c'est pas pareil des maps que t'as ouais, fait. Où y a des... Oh Bello, t'es sérieux? Merci beaucoup Bello. C'est pour Destiny en plus. T'as fait un petit don. C'est pour Destiny. Ouais, il m'a fait un don. Bon plaisir. Et on est sur TS si tu veux Bello. Bah c'est. Et puis si tu veux venir jouer ouais, aussi. Hein. Et t'as vu, on va pouvoir faire le balai serpillard, j'ai la cam, ça y est. Parce que je sais que je devais y le faire dimanche, mais. Parce que non, là on devait faire balai serpillard, mais j'avais pas de cam avant. Et je lui ai dit, je vais prendre une cam bientôt. Comme ça, on pourra faire le balai serpillard. À la cam. Ah, par contre, la Thompson a commencé à peiner là. Tu T'as fait un don de combien? J'ai pas vu. 5 ah, comme moi. 130. À où pour Bello? La forme pour les run coop et les week-ends au pire. Ouais, bah. C'est pour ça. De toute façon, je pense que le mois de novembre, je vais pas chercher. Mais après, je vais pas rester toute ma vie sur la console. Il faut bien que je travaille. Hein. Et puis moi, j'aimais bien McDo parce que justement, comme c'était un mi-temps, ouais, t'avais du temps. C'est pas un truc où. Voilà, t'as le temps de jouer. Non, non. Wow. Plus, enfin, tu m'avais dit genre un moment sur TS que t'étais bien placé sur Mac quand tu travailles au McDo. Tu... Ah ouais, j'étais bien. Wow. Bien beaucoup parce que moi j'avais fait mourir. La Chine. La Chine. En plus c'est le chinois dans le jeu. Tu l'as vu mon petit com ou t'as pas eu le temps? Ah non, j'ai pas vu le com par contre, t'as écrit quoi? Avec plein de... Pour la Chine. Ah, le bazar. Ah putain. Ah, j'ai pris celle que tu m'as dit, la C920. Par contre, il y a juste un truc que je comprends pas. Je sais pas si t'as essayé. T'as vu, tu peux envoyer des vidéos directement via Facebook, via ouais. YouTube. Mais j'arrive pas à lier mon compte YouTube. Avec la cam. J'ai pas essayé moi. T'as pas essayé? Bah, ça me met comme si c'était un mauvais mot de passe ou mauvais identifiant et ça veut pas se le connecter. Pourtant, ah c'est ouais. des bons. Hein. Ouais, je sais pas, faudrait que j'essaye. Mais... Parce que justement, je voulais tester. J'ai vu qu'il y avait une fonction où tu enregistres une vidéo et tu peux dire que l'envoyer, le upload sur, sur YouTube. Ouais. Un peu la qualité YouTube. Ouais, bah après, c'était juste pour tester. Là. Ouais, c'est comme ça que tu vois. Les gars, ça arrive. Un blog là, je sais pas quoi. Ouais. T'as vu, elle est bien cette caméra. Ouais, franchement, dans le noir, t'as vu, ça fait les deux petites lettres bleues. T'as le micro. Bah, j'ai désactivé le micro vu que j'ai le casque. Pour pas qu'il y ait double son. Plus sur ta cam, moi. On voit que ton petit corps en bas. Ah, mais je suis allongé. J'arrive pas à jouer assis comme vous. Hein. Ah, moi, je peux pas. Moi, je. Non mais mets-toi sur une chaise gamer, tu vas. Même moi j'étais comme toi avant, je jouais allongé sur mon canapé toujours. Ah, moi j'ai tous mes runs zombies, je les fais allongés. Ah,
Je l'ai fait allonger. J'ai jamais fait de run encore depuis que j'ai ce setup. Je l'ai jamais fait. Ah, je tiens pas assis. Assis, tu sais quoi, ouais. Ça me fait penser au cours quand j'étais à l'école. Et j'aime pas. J'arrive pas à rester assis plus d'une heure. Oh. Je vois plus rien. Non. Il fait me faire baiser par un rampant. Ah, j'ai plus de mine. J'ai plus de mine. Ah, j'ai vu que vous parliez de record tout à l'heure là. Ouais, ouais, on parlait de la mode ascension et tout. Oh, t'es passé toi? Moi j'ai passé, moi je sais pas comment, mais j'ai passé, c'est parce que je suis jeune. Un peu en mode. Oh, tu me bloques! Ah, désolé. Et moi j'ai des zombies dans le four là. Il devrait y avoir un piège là dans le four. Un piège de feu. Genre pour les cramer. Un piège de feu, ouais. Piège de feu tranquille d'air. Et là, par contre, t'as comparé de tout à l'heure, je prends pas des doubles. Ouais, t'as, faut que je récupère des mines, moi. T'as peut-être temps. Bah, tout à l'heure, j'ai pas de mines. J'essaie de lui redonner un peu les zombies, tu vois. C'est pas bon pour le dos, ouais, je sais. Mais rester assis, en fait, j'arrive pas à rester droit, ouais, aussi assis. Crois, après, comme dit Bello, peut-être qu'il faudrait une bonne chaise de gamer. Ouais. Parce que là, je vais vous montrer ma chaise à la cam, vous allez voir. Une chaise en bois. Et c'est une chaise en bois qui fait mal au cul, mal au dos. Ouais. Moi, celle que j'ai, et franchement, je te la conseille, celle que j'ai, elle est super. T'es là à 350 euros, non? Non, t'es malade. Justement, Combien? 70. Ah putain. Ouais, 70. C'était une offre de fou. Je sais pas si elle est encore si aussi peu chère. Ah. C'était une offre de malade qui était sur Amazon. Ouais, la double. Et c'est comme un décrasseur, c'est pareil. C'est la même. Ouais, moi aussi. Sauf que moi, j'avais acheté sur Amazon. Et mais c'est pas la... C'est pas c'est un noir. C'est un peu le même concept, tu vois, genre du décrasseur. Vas-y, t'as le temps. C'est un noir. T'as un noir, c'est la même chose que le dextresseur, sauf que t'as pas de dextresseur. T'as deux trous derrière, moi. Et je l'ai pour. C'est des sièges baquets un peu, ouais, genre. Ouais. Ah ouais. Après, je sais pas si c'est la même que moi que t'as, mais moi je t'ai dit, j'ai comparé la vraie dextresseur chez V12 et celle que j'ai. Et franchement. Elle la tienne mieux. C'est pareil, c'est pareil. Pareil. Et le prix, voilà. Voilà. La seule différence qu'il y a, c'est le coussin que tu peux attacher là derrière. Et encore, tu peux très bien en mettre dans les trous, tu vois, je pense. Ouais. Et l'autre différence, c'est les accoudoirs. Moi, mes accoudoirs, ils sont tout petits quand même. Moi, ils sont arrondis, ils sont vrai petits aussi. Sinon, c'est pareil, le confort, il est nickel et tout. Mais je pense que t'as la même que moi, mec. Hein. Ouais, je pense qu'on a les mêmes. Ah, t'as raison, Morphine, c'est ça, à l'école, t'as des chaises de merde. Et... Dégueu, est-ce que tu penses en plastique? Bah, moi, j'ai les mêmes. En plastique, tu as deux positions. T'as une position fixe, le dossier, et une position où tu peux te balancer. Ouais, je peux me balancer, ouais. Ouais, des fois, je m'abuse à me balancer. Genre, allongé? Non, tu peux t'allonger bien et tout. Je veux pas t'allonger, mais tu tu peux te poser, tu vois, genre, t'es tranquille, tu vois. Elle est pas mal, franchement, c'est rapport qualité-prix, elle est vraiment bien. Ah ouais, j'en ai deux, moi, dans ma gaming room. Ouais. Ouais. Pas mal, hein. Gaming room. C'est vraiment, franchement, moi, je l'avais acheté 80€, il me semble. 70, je crois. En tout cas, moins de 100, et c'est... C'est la même chose que des tresseurs, sauf que c'est noir, tu vois, t'as les petits, enfin, une sorte de petite grippe un peu genre en dessous là où tu t'assois. Ah, c'est la même, gros, je crois que c'est la même que moi. Merde. Et vraiment, c'est la vie parce que... Bah, c'est de la toile, c'est ça? Ouais, de la toile, ouais. Ouais, et c'est, après, tu vois, c'est bien plus du cuir, je sais pas, du cuir genre autour. Tu l'as monté toi-même? Hein? Ouais, je l'ai monté moi-même. Et genre, attends, je vais te dire, c'est la même. Quand t'as eu dans ton carton, t'as eu le dossier, le truc pour mettre ton cul. Ouais. T'avais 4 vis sur les côtés. 4 vis et 4. Et... Ouais. Ah non, je vois ce que tu veux dire après, ouais. 4 vis pour les accoudoirs donc. Ouais. 4 vis sur le socle qui est en dessous. Ouais, le socle, ouais. Après, t'avais un espèce de tube. De tube un peu, ouais, rétro. Enfin, qui se rétracte. Putain, j'avais oublié le chien. Ouais, c'est la même. Ouais, en tout, t'avais 12 vis, 4 fois. Ouais, t'avais 12 vis, mais pas de la même longueur. Ouais, voilà, ouais, c'est bon, c'est la même que moi. Ah, mais je vois. Ah, niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment pas mal, c'est bon. Ah, ouais. Et tu l'avais payé combien, toi? Il me semble que c'était 70. C'était ma mère qui l'avait commandé, genre. Il y a combien de temps? Ça va faire. Yo, Morphine. Bah, viens après, si tu veux. Oui, 5-6 mois. Ou viens sur test. Ah, 5-6 mois quand même? Ouais, ça va faire longtemps. Le prix, il a pas baissé. Non, je pense pas. Bah attends, je vais te dire quoi, je vais te dire. Si tu retrouves le lien, Bello,
Parce que niveau, ouais, franchement, niveau enfin, qualité déjà, c'est vraiment bien. Et au niveau du prix, enfin, c'est limite un DX Racer sans les coussins avec. Ça va rentrer au four, j'ai plus de mine. Ah bon, comme ça, on est deux. Ah non, en fait, non. Non, je. Bah, bien sûr, faut que le blanc il meure. Mais ta gueule. Allez, gros, c'est chaud. Ah ouais, d'accord. Ouais, le putain de rampant, quoi. Et gros, t'as mis tout ce qu'il y a ou pas? Allez, oh, c'est un vrai AZP. C'est le mec direct. Ah ouais, c'est tout pas lui. Hey, il faut sur BO3. Bon, viens là. Bob et moi, on va être fou. Ouais, triple Bob, il est chaud. Hein, il est... Parce que sur BO2, il était pas chaud, tu vois, il était pas là. Mais ouais. Là, avec. Non, ça se sentait pas passé. Ouais. Déjà, t'as vu ce qu'il vient de faire là, 105 G-spawn. Il est déter, hein. Putain, il est chaud. Bon, bah, elle est facile. Eh mais il G-spawn sur... Regarde, je vais te montrer. Je te montrer ma chaise. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, déjà, tu vois là, ça là. Regarde, je peux pas rester assis plus d'une heure là-dessus là. Ça fait mal au cul. Le dossier, c'est vraiment une chaise de chinois. Voilà pourquoi je veux allonger. Le truc sur les terrains. Ouais. Ah c'est ça, c'est une chaise de terrasse mon gars. Ah ouais, là je comprends ta douleur quoi. Ouais ouais, moi je joue allongé, là tu vois le lit il est moelleux. Il y a même pas de dossier tu sais en fait. Non, il y en a... Ouais tu m'étonnes. Pas de dossier quoi. Bah peut-être Mélo tu veux venir jouer vite fait, faire des petits trucs. Non, je sais pas. Bah Morphine, je vois que t'es connecté. Enfin si c'est toi Morphine. Tu veux rejoindre ou pas? On est de fou. Ouais. Je sais pas si c'est toi le morphine que j'ai, le morphine du live. J'ai le morphine direct, quoi. Ah, c'est elle, morphine, elle. 70 euros, elle. 70 euros. On va falloir faire un objectif, donc. Ouais, je suis en galère en ce moment. Donc, moi, je reste avec ma chaise en bois. À la limite, le DLC, tu demandes à quelqu'un qui te fasse un transfert, tu vois. Moi je le fais sûrement gratuit aussi, donc au pire je te fais le transfert. Ça marche pareil que sur One, ouais, les transferts. Ouais, faut compte principal quoi, putain. Sauf que genre le délire c'est que tu peux le faire une fois, non? Une seule fois. Ah, qu'à une personne, je crois. Ouais, à une seule personne en fait que tu peux. Ouais, ouais, je sais, parce que sur PS3, bah, là j'ai récupéré mon compte, c'est deux consoles. Enfin, c'est trois consoles. C'est une console principale et plus deux autres. Enfin, c'est une de plus que sur PS4, quoi, en fait. Bah, je sais pas, il est pas là. C'est quoi, là? Vous voulez faire sur Viruct, mais avec Masto sur Viruct. Ah bah, c'est facile, Thompson ouais. Aussi. Vas-y. Ah, il est pas mal, Viruct, aussi, Thompson. Ou alors sans Masto, mais c'est... On va pas faire longtemps. En vrai, si vous êtes chaud, on peut faire un D-Dobs aussi. Non, ça c'est quoi, bro? Un D.O. D-Dobs arcade. Je lance Viruct du coup alors? Ouais, comme tu veux, en fait. Bon, ouais, bon, justement, mais. Bon, je sais pas quoi lancer du coup, on lance Viruct. Tant que je vais être tout seul, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est qui va être tout seul? C'est le blanc. Ah non. Putain, non mais il me semble que le bleu aussi peut être tout seul, je sais plus. Ouais, le bleu. Ah ouais. Ou le jaune aussi. Possible. Non, je crois pas. Ah mais non. Ah ouais. D'accord, mais je crois qu'ils ont changé parce qu'il me semble que c'était 5 mais ils sont passés à 3. Bonjour Elneris. Tiens, attrape-moi le jaune. Putain, du coup c'est moi qui dois aller mettre le courant quoi. Ah, j'avoue, ils auraient dû en mettre deux de l'autre côté en fait. C'est moi qui vais ouvrir toutes les portes. Allumer le courant. Ah mais nous ça va être le dawa de là. Ça. Et ça fait quoi si je me suicide ouais. Et que je réapparais quand ouais. Même de ce côté ou on peut non, pas. Ah dommage. T'imagines on aurait fait First Room à 3 de l'autre côté. Le gros bordel. Salut au passage ouais. T'as vu le Nightbot? Il te dit même bonjour. Oh, t'achètes une gayware comme ça là. Une M1-40, c'est pas une gayware. Ah ouais, merde. Non, là, ouais. La M1-40 de ce côté là. Moi, le Car 98, l'arme la plus pourrie, je crois, de tous les. Dans la boîte. T'as la gayware.
Ah, elle est bien la Gewehr, mais la Kar 48 là. Elle est vraiment vraiment jeu, pourrie. c'est fini quoi. Et tellement elle est pourrie, elle coûte 200. 200. Genre, ça, elle coûte moins cher qu'une porte quoi. Ah, mais il y a un truc aussi. Une sur porte à Cinéma, 500. comment elle s'appelle? Arniska ou un truc du genre. Aranisk. Ah, ouais, bah c'est le même délire. Ouais, je suis mal éduqué, mais je dis pas bonjour, non, t'inquiète. En plus, c'est bonsoir techniquement. Techniquement. Ou non, bonjour, on est tôt le matin. 3h du matin. C'est Pour bonjour. le. Comment ça s'appelle? Pour mon setup aussi, j'ai fait un truc de ouf. En fait, je regardais les bureaux et tout, et non seulement ils sont chers, en général, les bureaux de gamers ou d'informatique, soit ils sont chers, soit ils sont pas comme je voulais, tu vois. Genre, t'as une table pour poser tous tes trucs, Ouais. et en dessous, t'as quand même des rangements, tu vois. Donc, c'est soit t'avais que la table, soit t'avais les rangements, mais les rangements ils étaient pourris ou pas assez gros, ou ça faisait pas angle et tout. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un petit bureau qui était pas très haut, tu vois, petit, avec des rangements nickel. Et du coup, j'en ai acheté 3 En quelle matière? et je les ai collés. Trois Ouais, trois 3 bureaux. bureaux, je les ai collés vraiment Kiffant, bien comme ouais, il faut. d'accord. Un, je l'ai mis en angle, un, je l'ai mis à côté, et un, je l'ai mis à côté. Et ça me fait un putain de plan de travail gaming de ouf. Et ça m'est revenu qu'à 200 €. Tout ça, c'est pas ce que moi j'avais vu, hein. T'as changé Ah ouais. depuis, c'est ça? Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ce que t'as vu, ça n'a rien à voir. C'était déjà bien. Hein. Bon, c'est vrai que ça faisait petit du coup dans ta chambre là, parce que t'avais trop de Ah, trucs. j'ai tout viré là, t'as le 2/3 de la pièce c'est truc de gaming et le 1/3 c'est juste mon lit derrière le rideau, c'est tout. Ouais. En plus je vais déménager dans pas très 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 longtemps, je vais en chier pour tout déménager là. Ouais. Tu vas chez ton oncle là ou je sais pas quoi? De quoi? Tu vas chez ton oncle ou je sais pas quoi là, Non, je tu m'as retourne dit? là-bas. Je Pour la retourne là-bas. connexion? Ouais, je vais chez la fibre. Je vais Ah chez ouais. la fibre. Ben, la fibre, c'est pas chez moi, hein. La fibre, c'est chez mon oncle. Je vais faire un peu des deux, tu vois. Genre, quand je veux faire des lives, j'irai chez mon oncle. Bah, hey, du coup, là, le live, tu le trouvais comment? Vu que c'est en 700 aussi, comme je disais à Kenshin la dernière fois, mais ça bouge plus que du Until Dawn, du coup. Ouais, c'est comme moi là, hein. T'as la même qualité que moi. Ouais. Parce que, ouais, ce que je disais à la fois, c'est juste que c'est le jeu, il n'y a pas beaucoup de mouvement, du coup, t'as l'impression que ça fait joli. Pourtant, je l'avais dit à Kench, j'avais mis que 700 aussi. Hein. Et là, c'est 700 aussi. J'ai pris un nouveau PC aussi. Ah, c'est pour ça que Bob. J'ai compris ça. Tu lui envoies, Mais d'accord. ça, par contre, Oh, il faut va le être bien. dire parce que il y a du business derrière tout ça. Il y a des gens qui doivent Ouais. pas savoir. Ah, c'est cool pour Ouais. Bobby. Depuis le temps, là, on va pouvoir vous voir squatter tous les deux sur Ouais, Ashawar. puis même, on va squatter Aftermath aussi pour voir toi, mec. Bah, moi, va falloir que je t'ai retest, mais en médium du coup, parce Non, je pense qu'il faut que. attendre des petites mises à jour. Parce que là. Oh, la double. Ah, pour les tuer, faut jeter les gros. Ah, je peux les cut. Oh, bah, ça va. Ah, bah, tu vois. J'ai cut une bombe. Je sais pas si à travers la porte on peut te réanimer. Non, mais il y a le. Dans le petit couloir là. Mais j'y serai pas à temps. Ouais, là. J'y serai pas à temps. Ouais, là. Tu le vois ramper. Aidez-moi. Allez, allez, allez. Non, encore. Allez. Encore. Faut pas. Non, mais je Ouais, il croyais a que tu fait un trajet pouvais. pour rien. Non, mais il faut que tu Ah, fasses. je peux pas appuyer sur X. C'est bizarre. Bon, tant pis. Ah, ça va être le dawa pour nous. Ouais, nice la qualité, merci. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, moi je mets pas trop de KBP vu que je stream avec de la 4G. Je mets que 700, c'est pour Ah, j'ai pouvoir vu tenir plus ta longtemps quoi. connexion là, enfin. En speed test. En fait, je récupère tous les mois de la 4G du coup. Ouais. Non. J'aime pas cette arme. Il y a eu 6 mises à jour à NRF depuis. Sur Aftermath? Oh, je vais tester alors. Il y a 200 Oméga. Et. Ils disent Plein quoi? de mises à jour à chaque fois. Fixe serveur crash, fixe somme.
Ah, bah tu vois, enfin moi c'est pas carré, c'est fixe PC crash, y'a pas. Mais Steam on ouais. crash on startup Elle est spawn où alors du affecting coup? some player. Elle est spawn ici. DX11 crash on map load has been fixed. Ah, DX11. Ah, putain, en plus j'étais en DX11 moi je crois. Enfin, de toute façon, je ferai plein de tests. Genre, si ça crache, ben, je change la config. Si ça recrache, je change jusqu'à ce que ça crache plus. Hein. Ouais, de manière d'ici que Bobby a son PC, d'ici, je pense, maximum 10 jours. Il... Tu lui as envoyé déjà? Non, non, je vais là-bas, je vais chez lui. Ah. Ah, tu peux, ah, tu montes là-bas. Dans le 50. Petite vacances en même temps. Bon, vite fait, ouais, c'est pour le voir, parce que ça fait deux ans que je l'ai pas vu, donc on va passer 2-3 jours ensemble, vite fait, tu vois. Et au passage. Je me rappelle la dernière fois, t'avais fait un live ah, je crois, double cam. On va faire la même chose, hein. Petit live double cam, en exo zombie, peut-être, je sais pas. Il habite dans le nord, vu son pseudo, lui, non? Ouais. J'habite dans le nord. Et so Ouzou, ouais, c'est Ouzou. Il n'y a pas la fibre chez moi, je suis dans un village. Bon. Je suis même pas dégroupé où je suis. Mais franchement, pour la zone où je suis, il y a pire. Parce que j'ai quand même 1 méga d'upload et c'est pas. C'est pas pourri non plus, tu vois. Enfin, si c'est pourri, mais je veux dire, il y en a, ils galèrent, ils ont 0,6, 0,7. Avant, j'avais 0,7. Et là, maintenant, j'ai 1 méga, donc ça passe encore, tu vois. Et je suis pas dégroupé, hein. Il y en a, ils sont dégroupés. Et ils sont dans des villes. Mais alors, regarde Bobby. Hein. Bobby est dans une cité, quoi, près de la ville, juste à côté de la ville. Et il avait même pas. Il avait 0,8. Bah, regarde, moi, je suis. C'est pas non plus la campagne là où je suis, hein. Mais. Pas le droit à Masto. Le quartier. Ouais, vas-y, on prend Masto. Genre, je suis délimité par une rail de train. De l'autre côté du train, ils ont la fibre. Et de mon côté du train, ben, j'ai pas la fibre. Tu vois, c'est. Débile. Ah ouais, mais parce que c'est pas la même ville. Et c'est par ville en fait que ça fonctionne. Le maire, il signe une pétition. Et juste de l'autre côté du. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vu que d'autres villes, c'est une petite ville où je suis. En face, c'est une ville plus près de Bordeaux, donc un peu plus grande. Et ben voilà, moi là où je suis. Ben... Pourquoi? Pour 100 mètres? T'as juste à traverser la voie ferrée. Ouais. Je vais aller retirer des câbles, tu vas voir. Tu vas prendre les câbles du train. Je sais pas comment on fait, mais je vais aller tirer des câbles. Pas trop bien, je vais sortir à bouffer vite. Vas-y. Piquer la co. Non, moi j'habite à Roubaix. À Roubaix et Bruxelles, ouais. C'est le nord, ça. Moi je suis parti à. Merde, hein. Merde. Ouais, j'ai oublié, mais vers Lille. Genre à 10 minutes, un quart d'heure de Lille, ouais. Je crois. À Villeneuve d'Ascq, ah, voilà. Ouais, ah, ça c'est là. Tout le monde, tous les mecs qui. J'avais une copine qui habitait là-bas. Et... Je suis allé deux fois à Lille. Ouais, Villeneuve d'Ascq, c'est grand. T'as Auchan V2, t'as qui. On avait pris le tram là pour aller jusqu'à ouais. Lille. Après de Lille, on a pris le bus pour aller en Belgique en boîte de nuit. Là. Captain. Le Captain, c'est ouais. C'est la pire des boîtes, toi, Captain. Ah, moi j'aime bien, je suis allé deux fois en Belgique, ah, deux fois chez le Captain. Parce qu'en fait, avant ils étaient racistes en fait. Il y avait que les blancs qui pouvaient rentrer. Oh bah, moi j'étais le seul chinois quand j'y suis allé. Hein. Le seul asiat. Ah, le seul asiat. Mais tu sais, genre avant il laissait pas passer les noirs, les asiates, les rebeux, il laissait passer. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ouais. Après, c'est le style de musique, ouais, faut aimer aussi parce que c'est, hein. Jump, c'est la musique belge, hardcore, tout ouais, ça. Hein. T'as pas ça dans le sud, hein. Le sud c'est plutôt reggaeton et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Enfin moi je sais que quand je vais en boîte, pour ça c'est un peu chiant, il y a trop de ça. Tu vois, petite dose c'est bien, mais quand ils font qu'un style de musique, et ben ça devient chiant à force. On prend double coup et passe-passe aussi. Comme vous voulez. Et Douai, car c'est juste là à la frontière. Douai c'est une ville de ouais, vas-y. Douai c'est des paumés ça, Douai. Douai. Et je l'appelle la ville industrielle, tu sais, parce que genre j'étais en internat et j'étais en internat à Arras, à la campagne. Et on passait devant Douai, et des mecs qui venaient de Douai pour aller, enfin à l'internat, tu vois. Et ça s'arrêtait à Douai, ça faisait Arras, Douai, Lille, Flandre. Et ouais. À chaque fois qu'on passait devant Douai, et ben t'avais une putain d'usine industrielle devant, devant, t'es normal, devant la gare de Douai.
Et vraiment Douai, c'est une ville de paumés, quoi, vraiment. Par contre, bon là on s'en fout un peu, mais par contre après il faudra rester que dans la Thompson et quand tu meurs, tu prends les atouts que en fin de manche et pas pendant la manche. On commence ça quand? Bah quand on a tous nos 4 atouts, là, tranquille. Ah, Quick Revive. J'allais dire on prend les Mustangs, mais y'a pas de package. Non mais on prend genre double coup passe-passe, on se met bien une fois et après voilà. Après, deux coups passe-passe. Ou juste Réa et Masto. Moi, j'ai vu qu'ils sont à côté en plus. Là je vais acheter double coup. Moi j'ai Masto, Réa, double coup. Ah ouais, vous êtes riche. Ah mais on est pas mort aussi. Ah t'as couvert ici. Non. Vas-y, moi je vais prendre double coup après alors. Bah. J'ai acheté la MP40 en plus, tu sais, genre, je pense. Et je vais m'acheter Quick Revive, comme ça j'ai mes 4 atouts. Bah, je sais pas si la fenêtre sur Verix B1 elle est pareille que sur la toile. Ah, mais vous avez pas ouvert pour passe-passe en fait. Non. Mais ouvrez pas les escaliers. Ouais. Faut ouvrir de l'autre côté. Ah oui, c'est pour ça que j'avais fait le tour. Ah, vraiment doué. Y'a quelqu'un qui a pris des. Les petits ou quoi moi. Ah ouais. Ah, on les prend pas. Ah bah vas-y, vu quoi tu les as. Vas-y, en ce mec. C'est défi moins hardcore, mais. Ah, je sais pas quoi je pensais. Pour couvrir. Bon, mais t'as raison, on va mettre les bêtis là-bas là. Tac. À fond, je me suis perdu en allant là-bas. Ouais, c'est. Non, Lille, c'est une bonne ville. Hein. Bah, t'as les clichés. C'est grand, hein, Lille. Hein. Je crois que c'est plus grand que Bordeaux. Ouais, hein, Lille, hein. Ouais. Ouais. C'est grand. C'est... De Lille, c'est grand. Mais après, Roubaix, Tourcoing, c'est pas. Ah mais ouais, mais je regarde. Bah toi, tu vois, putain, j'étais en plus, c'était merveilleux quoi. Putain, je dois tout payer. T'avais tout acheté, dis-moi. J'avais Masto, puis Revive. Je crois qu'il allait dire marathon. Non, Masto, puis Revive, et double coup. Le... Ah, par contre, bouge du corner, non? Ah ouais, vas-y. Il va me bloquer. Vas-y, casse-toi au pire, sors. J'ai ah si, en fait. Ça me fait aller plus vite. Ouais. Mais merde, j'avais oublié que j'avais l'air. Je vais mourir. Non. Non. On n'aura même pas commencé le défi, on est déjà mort. Putain, on a pas d'argent. C'est la crise. Ah ouais, mais lui, il avait pas la Q-Crop-Five aussi. Bah non. Ah non. Moi j'avais fait rien moi. C'est moi qui ai ouvert pour le courant et tout. Ah ouais. C'était plus d'argent. À la merde. Ah moi j'ai pas d'argent. Leonard. Aïe. T'as du poil Léris. Oh prends le x2. On est bien. Ah ouais. C'est la renaissance le x2. Non. Putain j'ai zappé la fenêtre. Genre ça respawn à la 10, c'est pas la 11 normalement que ça respawn. Oh. Apparemment du taf. Putain c'est vrai. Mais on est 3 j'ai hein. J'ai pas fait la décoroco ça. Ah moi non plus je l'ai pas fait. Merde, je voulais pas attendre ça. C'est vrai qu'à la 3 y'a du monde. À 3. Regarde-toi. Bah comment vous êtes riche. T'appelles ça riche? Ou par à moi, oui. Ça c'est sûr. Vas-y, je vais il avait. Ah, c'est bon. Ah oui, t'avais pas Masto. Ah non, tu l'as perdu. Il est mort. Il est mort, ouais. T'as tenté de me sauver la vie. Y'a deux portes à ouvrir. Ouvrir. Ah t'as tout toi. Oh là là. Il est riche. Ah, je suis bien. Katatou.
Bon, oh, moi il m'en manque deux, ça va. Ah, le petit gun, comment il est rechargé? Ouais, j'en ai pas. Y'a pas le couteau de boucher là? Enfin! Hein, Nindou. Nindou. Le vrai. En plus, y'a pas de manche spéciale ici, c'est ça qui est chiant. Tu l'avais pas fait avec Paul Honor une fois ce défi? Ah non, c'est Foris. Moi je l'ai fait avec Bello, ouais. Ce défi là. Mais juste avec Masto et. Ouais, Revive. Et Revive, parce que s'ils sont à côté. Ah, oh, il y avait Magic aussi, je crois. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Ouais. Ton gros boule de Richtofen. Aïe. Moi je suis pas Richtofen. Hein. Ah, Elneris. Non, c'est. Ah non, moi je suis Takeo. C'est toi, Rachel. Non, même pas, c'est Nicolas. C'est le bleu. Ah non, mais non, y a pas de rire. Oh, ouais. Je vois des Richtofen, je fatigue. Gaffe. Ah, je regarde. Oh là là. Putain, y a AZP Richtofen, il devrait y avoir AZP Takeo, AZP Dempsey. Ah, mais y'en a déjà trop. On avait même AZP Misty avant, donc. Faut tous les persos. Ah, mais faut des persos emblématiques, hein. Faut pas genre des persos. Comme l'autre, l'autre pédale de BO2 là. Comment il s'appelait déjà? Lequel, celui aux lunettes là? Je sais même pas les noms. Il est avec les lunettes. Mais je sais même pas. Il est comme une tarlou. C'est quoi les noms de. Je sais pas. T'avais Misty, t'avais José, je sais plus. Quoi. José, non, je crois pas que t'avais José. José? Pas de José. Non, il y avait Misty, t'avais Samuel. Ah, Samuel. Attends, mais l'autre ça commence par un R, je crois. Non, ah, je sais plus. Attends, je le sais, mais putain, ouais. Il faut que je le sais, il faut le trouver. Samuel. Je peux chercher un truc en espérant que tu sois toujours en stream. Ouais, je serai toujours là. Alors, si tu reviens dans 4 heures, je sais pas. Je reviens dans 4. Putain, ça me donne envie de le savoir là, du coup. Ah, j'aime pas rester sur ma fin là. Samuel. Je l'ai, mais je sais pas où. Yo, merci pour le follow. Attends. Le mec, il va quitter le jeu et va aller sur le Il peut pas y aller sur le BO2. Moi, je peux pas, ouais, je l'ai pas. Et sur Mob of the Dead, c'est autre chose. La fouine, Finn. AZP la fouine. Franchement, ce serait tellement moche, quoi. AZP la fouine. La fouine, ça ferait trop penser au rappeur là. AZP Booba. AZP Booba. AZP Brulis. AZP. AZP Gradur. Comment il s'appelle l'autre là? Lequel? Ah, celui qui a fait un freestyle avec Brulux et tout. Ouais, bro, je connais un mec qui s'appelle Brulux. Déjà un rappeur qui s'appelle Brulux, le mec. C'est Harry, il a la Netflix, Harry. Moi? Ouais. T'as voix à qui? Netflix. Je sais pas. Eh, Bello, tu te rappelles comment il s'appelle les persos dans BO2? T'as Samuel, Misty, et de toi, c'est quoi? Merde. Non, tu serais si, pas. Attends, ça va me revenir. Mais toi aussi, en fait, mais ça revient pas. Salut King. No, sorry, French. No English. You are what do you do? Ici, what do you speak? It's in the title. FR égal. For kick. Pas parler anglais. FR égale from Russia. Vodka inspiré. Attends, j'ai limite envie d'aller sur Google là. Moi je me rappelle plus parce qu'en fait on leur donnait tellement de surnoms à ces personnages. Ouais, c'est genre, ça. Samuel, c'est pas le Black. Samuel, c'est celui qui est possédé par Richtofen. Ouais. C'est le vieux ça. Nous on l'appelait Papy Black.
Papy Bray. Moi je l'appelais T-Bag. T-Bag. Moi je lui avais pas donné son nom vu que je savais même pas c'était quoi son nom. Et puis. Ils sont tellement pas emblématiques ouais, comme sur BO1. Aucun charisme quoi, tellement. Bah, ouais. Bah Misty, bah, c'est la fille. Misty, t'en rappelles, Samuel, c'est l'autre qui est possédé par Christophe. Après, t'as comment il s'appelle là Eh, vas-y, je vais. Rander, ah, non, c'est pas ça. Romuel. Non, mais moi, tu sais, Romuel, c'est un trop d'âge, il me dit, il s'appelle Romuel. Y'a pas. T'es sûr, y'a pas un Romuel? Je pense pas. Romu, si, parce que des fois, Misty, elle dit Romu. Non. Oh, il a raison, je pense que c'est Romuel. Y'a R. Non mais tu sais, moi je me trotte dans ma tête depuis tout à l'heure, je me demande... Mais vas-y, toi t'es dans le fond là, du coin là, va voir. C'est dans le corner. Surtout que c'est toi qui devrais tirer, parce que vu que c'est le jeu d'Enneris... Oh, c'est infâme. Ah, je les ai. De quoi, c'est quoi? C'est moche. Misty, Malparton. Malton. Ah ouais. Rossman. Malton Rossman. Et quoi? Rossman, ah ouais. Rossman, putain. Rossman. Oh, enculé, ouais. Heureusement que. Malton, c'est. Oh, c'était Papa T-Bag. Malton, c'était la pédale. Ah, tu m'étonnes qu'on s'en rappelle pas. Ils ont tellement moche. C'était mieux Dempsey, Nicolas. Bah Misty on s'en rappelle juste pour ses gros seins quoi. Ah ouais. Moi je me rappelle pour ses punchlines. J'aime bien ses punchlines. En même temps on avait une Misty dans notre team avant donc ça aide pour s'en rappeler. Ça aide beaucoup même un peu. Non c'est gratte. Eh mais attends, il y a eu un AZP Richtofen de BO1, AZP Misty de BO2. Sur BO3 on va voir quoi, AZP avec... AZP Samantha, AZP Richto, tu sais, avoir un mixte. Bah, de toute façon, il va y avoir des nouveaux persos. Bah, ouais c'est pas sûr, regarde. Shadow, ah, si, ouais, sur AZP, Shadow, ouais, t'as raison. AZP, comment il s'appelle Danny Trejo, les mecs je vais me renommer. Del. Ah, ouais, Buffy. AZP. J'ai acheté où les Betty déjà? Je sais même plus où je les achète. Ah, la MP40. MP40. Ah, mais non, mais tu peux. Ah, oui, ok. Autrement, tu les as tués. Et là, il te dit, tu l'achètes tout l'MP40. Bah, j'ai tout l'MP40. Non, mais je sais, mais t'as un deuxième en plein. Bah, ah, oui, mais c'est. Non, bah, c'est... il est juste au-dessus. Ouais, regarde, c'est juste ici. T'as... On sait qu'il y en avait un ici d'emplacement, mais non, c'est des gros. Et sur la torre, les zombies, ils montent ici, là. Ils bug. Salut, ThunderX. Désolé, hein. Ah, ça commence à être tendu, hein. Ah, pour toi. Ah, bah, je suis mort. Vas-y go le bleu. Et voilà il fait péter toutes nos bêtises quoi. Mais c'est pas à toi de rire. Oh bah y'a mon reste internet. Attends, et tourne. Ah ouais bah non, je tourne sans masto. Bah non. Ouais tu tournes sans masto. Et merde. Là c'est bon, ça va s'arplier. On prend une double à la semaine. En plus on lui met des fumigènes. C'est ça, des vrais fils de nain quoi, par excellence. Fils de nain. Ah après il y a mort instantané, ouais, ça passe. Il y a pas toute la manche. Oh là là, je veux ça pas du tout ça. Achète une J-Tag écoute. Ah merci. Tiens, et franchement c'est parce qu'on est gentil. En vrai je voulais pas la prendre, moi je voulais Ah y'a un autre truc, un débile. Le pire ouais, là il veut notre mort. M'en fous, j'ai des bêtises. Hein. Acheter trois armes, tu sais. Ah, j'ai plus rien. Hein. Pas bien. Les pires, non, putain. Oh, je suis basé, je sais pas comment. Quel château. Je suis allé par les repas, c'est obligé. Ouais, non, mais c'est ça. Putain. On dirait que je suis un Omen Star. Mais le Léris il bombarde, tu sais. Vraiment envie de charpie. Hein. Écoute. Hein. Mais non, regarde, t'as plus de rampant. Bon. Maintenant, on a juste le droit de prendre Masto et Réa. T'as acheté les bêtises par contre. Ouais, t'as raison, Masto et Réa. Une fois que tu meurs, c'est Masto et Réa. Oh putain, ça recharge tout lentement maintenant, c'est moche.
Tu peux prendre 3 armes, 3 gosses. Ça va servir à quelque chose. Tu veux prendre la. Ou le CARC 98. La CARC 98. T'as une autre arme aussi sur le mur ici. Non. À pompe. Ah oui, si, le double canon, mais c'est pourri. Ça. Eh non, il est bien le double canon, faut pas dire ça. Ouais, avec double. Avec recharge rapide. Hein. Ouais, mais bon, je peux plus l'avoir. Et de vous en pensez quoi de la machine à bonbons? Machine à bonbons? Non. T'as pas vu le. Ouais, si, si. Ouais, la machine à bonbons de Shadow of Fury. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est l'alien. Ouais, le truc d'oiseau là, enfin dans les airs. Ça vole, ouais, je crois, il y avait des ailes. Des petites boules vertes là, chelou. Là. Non, moi la machine à bonbons, je trouve ça un bon concept. Ah, ça dépend ce qu'il y a dedans. Après, ça dépend les atouts, tu sais. Après, on va retrouver des. Faites la machine à bonbons, tu vas avoir de la bouffe qui sort de ta console. Pour les runners comme nous. Aïe. Et ouais, tu vois, c'est des Américains, tu sais, ils font des vidéos genre sur les burgers, les fast food américains, tu sais. Comme ce que je t'ai envoyé tout à l'heure, là. Aïe. Epic Meal. Ouais, le mec est. Ouais, 30 000 calories à manger, n'importe quoi. Bah les mecs c'est un peu détaré quoi, mais c'est pas grave. Allez. Mais je prends de ces tartes. Ça fait longtemps que je serais mort moi, je te jure. Ouais. Bah les challenges comme ça moi je suis mauvais. Oh. Non encore ça va, il y a Masto. Oh, sans Masto ouais. Oh ouais mais tu te fais aider aussi, tu chies. T'es mort à ce temps quoi. Un god mode comme Phoenix hein. Pourquoi il chatte tout le temps de la truc là. Il est trop chance, il est dans la même base, il a 3 des bigues. Ça sort des noms ici. Oh, pas de nom. Ça je vois plus rien putain. Il y a grenade illimitée. Ah bah oui, j'ai oublié ça. Bah mort instantané, j'en ai profité hein. Ouais, avec plein de rampants au milieu. Non putain, ah je suis obligé de passer là. Ah putain tu t'es carrément mis sur Black Ops quoi. Bah moi je suis pas un tricheur moi. Allez c'est des tricheurs, c'est ceux qui se mettent sur Black Ops. Bah c'est pour gagner des viewers ah, ça. C'est mieux parce qu'il y a des... Bien sûr que si, ça gagne des viewers. Mieux parce... Mais c'est des tricheurs. C'est des tricheurs. Mecs qui veulent voir du BO1, c'est des glitchers. Ça glitche sur les vues. Non mais comme je disais au début du jeu, moi je voulais pas, tu sais j'ai même pas tweeté hein, j'ai fait un petit live tranquille pour jouer zombie, pas pour faire des 2000 un petit comité. Ouais voilà. Attends je suis Pierre Ménès sur Twitter. Il a un million de. T'as lui il se fait gaver critiquer mais t'as vu le nombre de personnes qui le suivent quoi. Le petit Pierre Ménès là. Le petit, entre guillemets. Ouais. C'est vrai qu'il est petit. Hein. Petit gros. Ouais, il est petit. Hein. Ouais, il est pas très grand, hein. Non, c'est juste que. Ah, il est pas ah, très grand. Ah merde, ah bah là on est vraiment dans la merde. Ouais, là, c'est on est sauvé, il y a un fois deux. Bah les couilles, moi, merde. Non. Ouais, cool. Je fais le code pour pas prendre les baffes. Blablabla. Comment on a fait pour survivre en fait elle est. Mais elle est bêtie. Avec les rampants c'est bizarre. Par contre là tu dois vraiment partir. Oh merde. Oh merde. C'est le caca. Elnaris il est cover par toutes les bêtises là-bas. Sauf que j'ai plus de bêtises là. Ah mais d'accord mais toi tu reviens en fait, tu me préviens même pas, tu sais, oh putain j'en ai marre, ça m'énerve, c'est genre comme ça là. Ta gueule. Mais non, mais putain, il arrive en face là. Eh, c'est impossible de tourner sans Masto ici. Allez, toutes les bêtises qu'on avait stockées pendant dimanche. Ah. Il était bloqué là. Mais non. Le pire. Attends, il y en a un qui. Il est réanimé. En fait, je me suis sacrifié pour cette petite. Ouais, dis, hein, continue, hein. Non. Oh, j'ai pas pris la doux. Dis-moi, je veux. Tu
Putain. Ouais, hein. Ouais. Je vais bien te bloquer ici. Non. Oh le bâtard. Attends, je veux voir la mort là, j'ai pas vu, mais j'ai derrière. Oh ouais. Merde. T'aurais dû. Eh, tu sais que c'était mieux que tu te laisses crever en vrai. Et genre, tu te serais laissé crever, j'aurais pris tout le pack. Et là, on s'est enfermé à deux. C'est pire quoi. Oh putain. Bon, moi je crois que je vais arrêter là, je commence à être fatigué un peu là. Arrête. Bon, moi, je vais changer de jeu sûrement. Wolfenstein, je sais pas. Aller retourner sur Until Dawn. Ouais, je comprends rien le jeu. J'adore. Bah, à quoi Until Dawn? Bah, en fait, tu fais des. C'est plus un. C'est comme un film. Tu suis une, parce que une c'est histoire. Toi qui choisis, en fait. Avec un psycho. Et c'est toi qui choisis les réponses. Ouais. Et du coup, enfin, suivant tes choix, enfin, au début, tu le sais pas, parce qu'à la fin, tu peux ça. Vu que j'ai fait tellement de fois le jeu, je sais qui tu es, enfin, comment tu es qui. Mais au début, en fait, tu fais des choix. Et chaque choix a un impact sur les personnages. Et genre, si tu fais le mauvais choix au mauvais moment, ben, ton perso il peut mourir genre deux chapitres après parce que tu as fait un mauvais choix. Ou... Ah ouais. En fait, tes choix décident de la tournure de l'histoire. Oh, c'est des free films. Et c'est bien ces jeux. Ça fait penser un peu à Heavy Rain ou Beyond Two Souls. Sauf que Heavy Rain. Tu sais, des Telltale. Mais ces jeux-là, franchement, j'aime bien où tu dois choisir plusieurs options et. Genre, t'as pas la même fin possible. C'est pas comme un Call of où c'est linéaire ou quoi qu'il arrive, ça sera toujours la même histoire, ouais. Tu vois. Ça, c'est bien, c'est des jeux interactifs. Premier en fait. 100, 358, première toile détruite, 853, tu es simultanément max, plus longue série meurtrière 6, avec Lucian. Quel homme. J'allais sur PS4, je crois. Je sais pas à quoi jouer en fait. À quoi jouer? Vas-y, on va éteindre. Ah, j'ai Minecraft sur PS4. Guerrier Elneris. De quoi? Et pour les. Les pseudos. Il y a Radimax, il y a celui qui a créé Léviathan, enfin celui qui a aidé à créer Léviathan. Oh, what's up Radimax? What's up? Mandoul. This is time. It's late, you know, late time. Yeah, I know. Grand time. I don't know how to say, but yeah, what are you guys doing? What's up? Up, I'm